Et bonjour à tous, c'est Eli, on se retrouve aujourd'hui pour la 12e partie de Pokémon version avec la pourpre déjà. Et aujourd'hui, une première chose pour commencer, avant que j'oublie, on va se rendre au Jardin Bulbizarre parce que en commentaire, on me l'a dit plusieurs fois. Et c'est mais vraiment plusieurs fois, on me l'a redit. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je le faisais pas parce que j'oubliais et puis que. Je sais pas en fait pourquoi j'oubliais à chaque fois. Du coup, on va y aller. J'ai fait un petit test pour vérifier où c'était. Vous envolez jusqu'à Egypolis. Et Egypolis, c'est la ville où il y avait les tas de morves, les égouts, justement. Donc on y est passé au début du jeu, hein, je sais plus quand exactement. Vous allez vers la gauche, enfin vous prenez la sortie de la ville par la gauche, voilà, vous prenez celle-ci. Et alors, on va mettre en repousse. Repousse, voilà, parce que bon, ça va nous embêter, Pokémon sauvage. Et vous sortez, vous continuez comme ça, normalement. Vous continuez. Oui, voilà, c'est ça, vous sortez. Parce qu'en fait, là, vous arrivez à la route 4. Et là, vous êtes dans le petit bois. Vous sortez du petit bois, vous allez jusqu'à la route 4. Et une fois à la route 4, vous montez. En fait, il faut monter. Faut pas aller directement dans le petit bois, il faut monter. Et normalement, c'est toujours là. Hein, il a pas dû partir. Et vous voyez, vous avez une nouvelle entrée. C'est le Jardin Bulbizarre. Je sais pas s'il y a quelque chose à récupérer particulier ici. Bon, nous on a un Florizarre, hein, on va pas attraper de Bulbizarre, hein, on va pas faire une team de Bulbizarre. Mais oh, il y avait. Ah oui, on me l'a dit, je crois. On m'a dit qu'il y avait Jesse et James, effectivement. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ah, ils sont jolis, dis donc, ils sont bien faits. Afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier les peuples à notre nation, tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir. Jusqu'à la Voie Lactée, normalement c'est. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie... Oh, trop fort. Jesse, James. Plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Oui, la guéguerre. Ah non, non, il dit oui, la guéguerre. Pff, encore des clowns. Qui traites-tu de clown, morveux? Tu vas regretter de t'être attaqué à Team Rocket. Personnellement, je n'en ai pas grand-chose à faire que vous dérangez ces bulles bizarres, mais vous êtes membre de la Team Rocket et c'est une raison suffisante pour vous taper dessus. Il fait même pas ça pour les bulles bizarres, c'est dégueulasse. Je pensais qu'il était sympa. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. C'est pas grave, hein. Bon, par contre, ils vont être à un niveau pas terrible, je pense. Ils sont niveau... Niveau 15. Oh là là. Niveau 15. Que ça fait peur. Ok, il m'a mis intimidation. Je peux plus rien faire. Mais par contre, hein. Enfin bon, c'est toujours bien parce que du coup, c'est vrai que je l'avais pas fait. Et avec toi, du coup, je suis... On va faire Bomberk. Ouais, je suis pas Bomberk. Ouais, si ça sera suffisant, même Giga Sensu, je pense que ça aurait été quand même suffisant, à mon avis. Enfin bon, on va pas accélérer, hein. Je sais pas pourquoi j'accélère, on a le temps. Et que je regarde à quelle heure je commence pour pas faire un épisode méga long. Une boréale et... Imaginons Giga Sensu. Bah, c'est vrai que je fais ça rapidement parce que bon, c'est un petit combat, on sait qu'on va gagner. C'est pour ça que je commence à accélérer, enfin je pense que c'est pour ça, je sais pas trop. Et il reste qui, du coup il va amener qui en plus? Allez, Miaouss, bah oui, Miaouss, et ils combattent, ils le font combattre dans le jeu quand même, ils sont pas sympas. Hein. Pauvre Miaouss, normalement il combat jamais, hein. Il fait tout le temps des sales coups, mais ah, il combat pas, il est trop nul. Je me rappelle de l'épisode dans le dessin animé où, je crois qu'on on apprenait comment il avait rencontré Jesse et James, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un épisode, ah non, où on apprend pourquoi il parlait. Pourquoi Miaouss parle? Parce que c'est vrai que les Pokémon ne parlent pas. Du coup, c'est un épisode à Hollywood, je crois un truc... Non, pas celui-là. Mais... Non, je confonds deux épisodes. Enfin bon. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Ok, Florizarre. Ce Florizarre semble vous apprécier. Obtient deux grains miracles. Ah, et on m'a dit un truc... C'est un gars qui donne des grains miracles aussi. Bon, mais si on en a deux, c'est bon. Bon, désormais, au moins, je serai le bienvenu dans ce jardin. C'est pas tout, mais il me reste des choses à faire. Ouais, il nous reste des choses à faire. Bon, eh bien écoutez, c'était très bien. On va... Ah mince, on peut... Ok, on va aller au Bourguivière et on va voler à partir du Bourguivière. Parce que là, je sais pas pourquoi on peut pas voler à d'autres endroits. Oh, on revient à la maison. Enfin, on va voir notre maman. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre maman? Ça sert à rien, ce passage, c'est sûr. S'il te plaît, sois prudent. D'accord, elle nous soigne pas. D'accord, elle est sympa. Toutes les mères du monde soignent leurs enfants, mais pas toi. Ah, ça fait plaisir. Hein. Bon, on va retourner... On va retourner à Port Égir, voilà. Et puis on va aller, je sais pas très bien où, hein, du coup, j'ai pas trop visité la ville. Mais allez, j'adore la musique de cette ville. Je sais pas si vous entendez, mais elle est vachement sympa. Maison du dingue des capacités. Qu'est-ce que c'est, ce dingue des capacités?
Je connais chaque capacité que les Pokémon peuvent apprendre. J'adore aussi les champignons. Ramène-moi deux petits champignons et un gros champi. Si tu fais ça, si tu veux que j'enseigne... Ah mais j'en ai pas, je sais pas où on en trouve. Je sais pas où on en trouve. Est-ce que je donne mon grand miracle... Ouais mais il a la baie qui cache, je trouve que c'est mieux parce que il peut se soigner de la confusion. Après des fois la confusion, enfin je peux changer, ah, je vais lui donner grand miracle. Parce que au pire confusion, bon je peux changer de Pokémon et voilà c'est moins gênant. Voilà, bref. Enfin, je veux dire, comme on nous laisse ce choix, c'est pas... Ah, salut. Oh c'est trop bien fait, reste pas par ici, il y a des gens qui travaillent. C'est pas comme si on faisait danse fleur et que... on pouvait pas, on est obligé de continuer pendant deux tours. Non, on a le choix de quitter ou pas. Ah, du coup, enfin de changer de Pokémon. Bref, on va parler à Silver. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es ici pour l'arène? Arrête-toi, même un champion si naze est trop fort pour l'insecte que t'es. Ne me fais pas rire, pousse-toi de là, je commence à trouver ça lassant, tes provocations dignes d'un collégien. Ce n'était pas de la provocation, je te trouve vraiment faible au possible. Bon, là, tu me saoules, mais bon, on savait tous les deux comment ça allait se finir, amène-toi. Mais je comprends pas pourquoi les gens, ils font que perdre. Il se la pète tout le temps. Tu as jamais gagné contre moi, je vois pas pourquoi tu dis que t'es nul. Ou alors, en fait, tu t'insultes toi-même. Si tu dis que je suis nul, c'est que tu t'insultes toi-même. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Y a pas de soucis. Et glaciation. Non. Mais je comprends pas. Pourquoi? Faut que je comprends pas comment ça marche, ce truc. Ah, il résiste. Ouais, bon, on va changer, mais... On va mettre... On va mettre Furizard. Je vais chercher sur internet, ça me perturbe. Ça me perturbe, j'aime pas. On va utiliser Giga Sensu pour récupérer de la vie. En plus, on a Grand Miracle. Donc, est-ce que ça fait une différence? Enfin, est-ce que ça a l'air d'être vachement plus fort? Ouais, bon, vite fait. Hein. Alors, vous inquiétez pas, on fait le combat tranquillement en même temps. Glaciation. Je comprends pas ça que je vois pas du tout. Et Danse Fleur hein, pour le mettre KO. Oui, glaciation, Poképédia. Alors, oui, 336. Ah, bah il monte niveau 39, c'est très bien. Ah, faudrait tellement qu'on ait la... Ah bah tiens, on va le laisser. Faudrait tellement qu'on ait la surf, ce serait tellement bien. Voilà, je le laisse comme ça. Ah bah oui, du coup, je suis toujours sur Danse-Fleur. Bah oui, bah, je vais pas récupérer ma vie, tant pis. Alors, particularité, pas de contact avec le Pokémon adverse, taux de crit... Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, je l'ai mis KO, j'ai pas vu. Hein, je... 1035, d'accord. Ouais, mais du coup... Non, mais la compa... Et comment je fais... plus le niveau... Non, mais je comprends pas, il parle pas de... Des fois, pro, ça affecte pas. Est-ce que c'est seulement que ça rate ou est-ce que ça veut dire autre chose? Parce que là, je comprends pas, hein, je comprends pas. On va mettre Nidoqueen. Non, j'ai pas tout compris. Hein. Mais en tout cas, oh, c'est trop joli. Ah d'accord, ça c'est l'animé. Oh, je vois l'animation. Ils ont mis l'image de l'animation de glaciation dans Pokémon Ruby Omega et Sapphire Alpha. Ça a l'air... franchement, ça a l'air sympa. Je sais pas, mais ça a l'air plutôt joli. Mais c'est vrai que je l'ai jamais utilisé dans Pokémon Ruby Omega Sapphire Alpha. C'est une attaque que j'ai jamais utilisée, du coup... Du coup, voilà, ceci explique cela. Bon, tunnel, voilà, Silver, il nous a un peu saoulé, donc on va pas perdre trop notre temps avec ce gars. Oh, Nidoking. Non, du coup, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah bah si, tu vas faire tunnel. Aïe, 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 oh, il a séisme. Aïe, aïe, aïe. Du coup, est-ce que, bah, on va mettre Gros. Ce que je voulais faire, en fait, ça aurait été de mettre Lamantine et... Mais il était faible, c'est pour ça, au départ, je voulais soigner, mais bon, je sais pas trop ce que je voulais faire. Ah. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il va... Ouais, il faudrait qu'il se soigne. Non, il se soigne pas. Tant pis. Il est rapide. On va mettre Norfang. Merde, être vachement rapide quand même. Megacorn. Non, ça va. Je mental. Allez. Oui, bien joué, Norfang. Allez, même s'il est KO, il garde... Enfin, on peut quand même lui donner de l'expérience. D'accord. Ouh là là. Ouais, par contre, avec lui... Non mais il est pas KO. Bah non il est pas KO, qu'est-ce que je raconte. Attends, je vais soigner un petit peu. Ah mais avec tonnerre il pourra m'attaquer de toute façon, qu'est-ce que je dis. Allez, on va tenter quand même. Mais j'aimerais bien réussir glaciation quand même. Je comprends pas comment ce truc marche.
Oh là là, résister. Allez, mets le KO. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben Citrus, d'accord. Repos. Ah bah non, je voulais faire repos déjà. Et oh, non, j'aurais pu m'endormir moi-même, c'est bon là. Oh là 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 là, bon. Et Florizarre, bien sûr, il n'y a que lui qui peut. Alors on va faire Vampigraine. On sait jamais, je sais pas trop ce qu'il va me faire, donc on va lui enlever des PV avec les Vampigraines. Ah, ça fait du bien. Et on va Giga Censure. Ah, j'aurais pu faire Dansefleur en fait, je sais pas, putain. J'ai perdu, c'est pas vrai. Je me suis pris un coup critique ou quoi? Non mais on a mal fait, on a fait n'importe quoi aussi. Du coup, je sais plus qui l'avait en premier. Ah bah là, il nous a gagné, bien sûr. J'ai fait n'importe quoi. Non, il faut changer. Florizarre, tout à l'heure, je crois qu'on avait mis en premier. Contre Ursaring. Non, c'est bon, je me rappelle. On va mettre Nidoqueen contre Ursaring. On va le battre vite fait, hein, parce que là, on n'aurait pas dû perdre. Mais bon, j'ai fait un peu n'importe quoi et... Et puis voilà, il y avait Lamantine en premier, c'est vrai que c'était peut-être un peu gênant, je sais pas trop. Allez, Ursaring. Du coup, double pied. Ah mais il résiste bien, là là. Ça va, ouais, ça va, on est type. Du coup, comme on est type seul, on résiste bien. Oh bim, coup critique. Ah, ça fait du bien, donc comme ça il se soigne pas. Alligator. Allez, on va mettre Florizarre. Je vois pas qu'est-ce qui nous a. Comment on a pu perdre, je comprends pas. Allez, Dansefleur. On est sûr de le mettre KO comme ça. Ensuite, j'essaie d'identifier dans ma tête où est-ce qu'on a foiré, mais je sais pas. Je vous avoue que là, je sais pas trop. Ah, c'est le Nidoking qui nous a fait mal, le Nidoking, je pense. Ah, lui, il nous a. Bah, c'est lui, celui qui nous a. Attendez, je me rappelle plus. Non, c'est le Ectoplasma qui nous a tué. Désolé, je me rappelais plus. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, guérir de son empoisonnement, mais ça sert à rien normalement, parfait. Du coup, 961, ok. Là, on va mettre Noirfang. J'ai un plan, vous allez voir. On va faire choc mental. Vas-y, il fait méga corne. Voilà, on l'affaiblit un petit peu. Bon, on le fait bien autant que possible. Hein. Ouais, là, je sais pas si nous met KO. Ok, nous met KO et coup critique, hein, au passage. Là, on met Gros Ray. Et là, Psycho. Ah, mais séisme. Ah, il fait trop mal son séisme. Et là, normalement, Psycho. Voilà, très bien. Bon, là, c'est un peu mieux déjà. Enfin, je sais pas. Toplasma, on va remettre Nidoqueen. Pourquoi on n'a pas fait ça? Mais il était déjà KO. Bah oui, il avait été mis KO par Bidule. Par. Comment? Par Nidoking, voilà. Oh non! Oh non, non. C'est pas grave, il est KO. Voilà. Et puis, Lamantine, hein, on va utiliser Lamantine. Glaciation. Ouais, je sais que ça sert à rien, mais bon. Je sais pas comment ça marche. Non, n'est pas affecté, mais c'est incroyable ça. Je comprends pas. Alors, par contre, je vais faire attention parce que je vais me faire avoir là encore. Zerglas. Et je vais encore perdre. Mais je suis pas doué. Mais je fais n'importe quoi. C'est terrible. Allez, c'est quoi? Oh, il a raté. C'est bon. Normalement, là, on a eu chaud. Parce que là, j'ai fait à nouveau n'importe quoi. Ah non, quand il est KO, le Pokémon, il reçoit pas d'expérience. Encore une défaite. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ça va, on a récupéré l'argent qu'on avait perdu. Bon, bah ça finit comme d'habitude, quoi. Tss, allez, va jouer dans l'eau avec l'autre débile au poisson, moi je me casse. Ah oui, c'est une arène de type eau. Bon, ça paraît logique. C'est peut-être... on va peut-être récupérer Surf dans cette ville, ça serait pas mal. Ce serait franchement pas mal. Par contre, pour entraîner la Montune, c'est un peu compliqué. Bon, il a de toute façon, il a cette... Il a le multi-expo. Allez, on va tester avec Noirfang devant, mais j'y crois pas vraiment. Non, ma Noirfang, il m'a saoulé. En fait, j'ai pas envie de l'entraîner. Je sais pas. Non, on va pas le mettre devant. On va. Pire, si on voit qu'il y a un Pokémon qui peut combattre, on le mettra. Mais je vais mettre Gros Ray devant un petit peu. Et on est parti pour la cinquième arène. Ouh. Oula, d'accord, je sais pas si c'est fait exprès. Ok. Ok, non, c'était. Oh, putain, j'ai cru qu'il y avait un bug. La force ne fait pas tout. Avec les Pokémon, l'important est d'avoir une bonne stratégie. Je te prouverai que la stratégie peut vaincre la force. Ok, non, mais c'est totalement vrai. Hein. Si t'as des Pokémon forts mais que tu sais pas trop t'en servir. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vrai que la stratégie, c'est très important. Oh, les niveaux, faut que je fasse attention, j'ai du retard. Oh là là, 45. Il va en avoir un niveau 50 au moins de Pokémon, le champion, je pense. Oh, faut faire attention. 191, ah, mais du coup, là, ça bloque un petit peu. Mais bon, on va s'en sortir, je suis sûr. Alors, ensuite, je crois qu'il faut rebondir sur les... Ouais, c'est ça. En fait, faut rebondir sur les parasols. D'accord.
En fait, je sais pas nager, alors je passe ma journée accrochée à cette sorte de matelas gonflable. Bah pourquoi tu vas dans une arène de type haut, tu sais pas nager, t'aurais dû te râler dans une arène de type normal, je sais pas. Hein. Mais voilà, une autre arène quoi. Bon. Oh ouais, c'est vrai que là, c'est dans ce genre d'arène que je pourrais peut-être utiliser plénitude si je réussis à caler au moins un ou deux plénitudes. Là, il y a moyen de faire quelque chose. Allez, prends des dégâts, s'il te plaît. Ah, super. Du coup, genre là, si on cale un petit plénitude. Vas-y, tu fais plénitude. Voilà, il est confus. Ah, il attaque laser glace. Bon, ça va, on est bien protégé normalement. Faire genre rafale psy, rien que rafale psy, ça fait des dégâts ou pas? Je fais ça pour économiser psycho, parce que si on peut éviter d'avoir à aller au centre Pokémon. Ah, c'est bien ça. Si on peut avoir à éviter d'aller au centre Pokémon. Je sais pas si vous comprenez ma phrase. Moi-même, je ne comprends pas ma phrase. C'est malheureux, c'est triste. Enfin bon. Bon alors on va faire un psycho parce qu'il m'a saoulé. Désolé, j'allais regarder un truc sur internet, je pourrais regarder après, mais c'est vrai que je viens juste d'y repenser. C'est les urnes en tennis, il y avait le tournoi de fin d'année, le fameux Masters avec les meilleurs joueurs mondiaux. Et je n'ai pas suivi les résultats. Il y avait la finale hier et j'ai pas suivi. Enfin hier pour moi, parce que je tourne ça le lundi 23 novembre. Et du coup j'ai pas regardé et du coup ça me perturbait parce que je sais pas qui a gagné. Et j'espère que c'est Federer. Hein. Je sais pas si vous êtes fan de tennis, mais moi je suis un grand fan puisque bon je sais pas hein, puisque quoi. Mais ah non c'est pas fini en fait. Si c'est fini ou quoi? Non c'est pas fini encore. C'est fini ou pas? Non j'arrive pas à dire. En fait je sais pas si c'est fini parce que là le site où je vais. Désolé, je suis désolé, j'étais dans mon truc moi. Ok, c'est Djokovic qui a gagné, encore, bravo. Oh là là, insupportable celui-là. Enfin, il est génial, mais... Il me saoule, moi, je veux qu'il laisse Federer gagner un peu, là. Il a pas arrêté de lui voler toutes ses finales. Enfin bon, c'est la vie, hein. il est quand même bien meilleur. Enfin, cette année, en tout cas, il était bien meilleur, faut l'avouer. Bref, on n'est pas en... Oh, il a surf. On n'est pas en let's play de jeu de tennis, hein. Je sais pas si ça vous intéresse forcément, le tennis, mais... Franchement, c'est... C'est mon sport préféré. Ouais, il faudra que je sorte pour au moins redonner à Psycho. Ça fera pas de mal. Parce que du coup, j'ai enchaîné le combat. Non, je suis passé au centre Pokémon après le combat contre Silver. Je sais plus. Je sais même plus. Staros. Allez, alors on va changer. On va mettre un peu Floriza. Parce que lui, il commence à être fatigué un peu. Et quoique, je sais pas ce que je fais entre. Ce que je choisis entre donner Grain Miracle ou donner la baie Kika. Pour le champion, je me dis. Ça peut être pas mal d'avoir la baie Kika, je sais pas. On verra ça. Bon, on passe par là. Est-ce qu'on. Non, je peux pas. Je peux pas. Bon, bah écoutez, tant pis. J'aurais bien entraîné vite fait. Attendez, je vais faire une petite coupure pour les entraîner pour faire le reste des dresseurs. Voilà, j'ai fini le reste des dresseurs et. Qu'est-ce qui se passe encore? Désolé, je fais attention à ce que ma vidéo va me... Comment? Est-ce que la captureur de vidéo, la hypercam, il me fasse pas des bêtises? Parce que c'est arrivé qu'il s'arrête en plein épisode parfois. Enfin, c'est moi qui l'arrête, hein, il s'arrête pas comme par magie, bien sûr. Mais du coup, là, je fais attention, parce qu'il a commencé à clignoter, attendez. Non, attendez. Mais... Oh, je comprends rien. Désolé, je faisais juste un truc, j'arrive pas à enlever. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça a pas enlevé. Apparemment, ça m'a l'air d'être bon. J'ai enlevé le multi-exp à Lamantine pour l'instant. Et voilà, je me suis dit qu'on allait mettre Florizarre pour démarrer. Je pense qu'on va direct partir sur du Dansefleur, je sais pas. Et au Moussaillon, je suis Achab, le champion. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Tu veux un récit de mes exploits de navigateur? Ou bien préfères-tu un combat acharné? Tu sais, quand j'étais navigateur, mon bateau fut attaqué par une baleine géante. Elle était très particulière, elle avait des sortes de symboles sur le dos, mais je n'ai pas pu la capturer, elle s'est enfuie après avoir coulé mon bateau. Je la cherche encore au sud de Port Égir, où je l'ai aperçue. Mais si tu es là pour un match, ne perdons pas de temps, et commençons. Ok, donc, je pense qu'il parle de Kyogre, j'imagine. Ouais, je pense qu'il parle de Kyogre. Et est-ce qu'il a un Kyogre? Non, j'espère pas quand même. C'est un peu abusé. Mais j'espère pas. Hein. Bon allez, on va partir sur du Dansefleur contre lui directement. Je sais pas, je pense pas qu'il mette un KO à un Wailord en un coup quand même.
Ce serait énorme. Mais ce serait chaud. Tu vois? Purée, pas mal. Avec le grain miracle. Et puis c'est quand même 120 de puissance. Hein. Bien joué en tout cas. Déjà un de débarrasser. Et pas le plus facile à se débarrasser, je pense non plus. La gronde, on va laisser. On va laisser. Et puis après on changera. Parce que du coup je lui ai pas donné de Bekika. Et du coup je peux pas le laisser. Mais bon, on mettra quelqu'un qui... Je suis sûr que je pourrais combattre le prochain, j'espère. Mais vraiment, il faut pas que ce soit un haut seul. Ah, niveau 50, je suis en retard. Ah ouais, je vais augmenter mes Pokémon, des Pokémon avec... Ah bah parfait, Léviator. Je vais augmenter mes Pokémon avec des multi-exp. Et forcément, du coup, ça ralentit un petit peu le niveau général, on va dire. Forcément, Enfin bon, du coup, Nidoqueen, pourquoi je le mets? Parce que... Ah mince, ça baisse l'attaque. Bah oui, je suis bête, j'ai pu penser. Surtout que j'en ai rencontré un de Léviator, parmi les dresseurs de l'arène, il y en avait un qui avait un Léviator. C'est pour ça que du coup je me suis dit, ah c'est bon, parce que j'ai réussi à le battre avec Nidoqueen. Vous voyez, en ayant l'attaque de BC, il fait encore quand même pas mal de dégâts. Et mince. Aïe, 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 dommage. Dommage. Est-ce que je peux faire quelque chose? Faire gros ray avec Psycho, peut-être, il peut peut-être faire un truc. Attendez, désolé, ça bouge un peu. Ah du coup, Bessitrus. Peut peut-être faire un truc psycho. Fait voir. Ah, j'aurais peut-être dû me faire Onde Folie aussi, parce que comme ça, il se fait pas mal de dégâts avec Onde Folie, je pense. Avec Cascade. Aïe. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Psycho, allez, je sais pas si elle met KO. Je pense pas. J'en sais rien. Ah, si elle met pas KO, bah ouais, du coup, je suis KO, tant pis. Enfin tant pis, c'est un peu con, c'est un peu dommage quand même, mais bon. Alors, du coup, ce qu'il faut qu'on fasse là, on va mettre Florizarre parce qu'il va se soigner, c'est sûr. Il va se soigner, du coup, nous on va en profiter, on va faire un petit Vampigraine. Voilà, on va faire un petit Vampigraine pour le moment. Et on va pas faire de Danse Fleur tout de suite, parce que contre lui, je sais pas, je me méfie un petit peu. Déjà, je sais pas si elle mettrait KO et j'ai pas envie de plus pouvoir changer d'attaque. Non, il faut que je fasse attention avec lui. Voilà, on va voir déjà avec Giga Sensus qu'on peut lui enlever avec une attaque plante. Enfin, est-ce que du coup Dancelor ça pourra le mettre KO? Alors on va déjà voir ce que ça donne avec Giga Sensus. Ouais, c'est pas énorme hein. Il fait quoi? Ah, il fait une attaque vol, enfin il fait rebond là. Est-ce que je peux mettre un œuf? Non, je peux pas. non, on va attaquer, mais genre Bomberk, hein. Tant pis. Tant pis. Vas-y, rebond, ça fait des dégâts, ça. Non, mais t'es sérieux, il me met KO. Oh là là, je pensais pas que ça allait être si compliqué, dis donc. Bon, on va tester la glaciation. On n'a encore jamais réussi, hein, je précise. Ah ouais, alors je fais un laser glace, hein, aussi, je peux. Au moins, un laser glace, ça devrait peut-être le mettre KO. Éboulement, mais... Non, mais il sort des attaques de nulle part. Léviator qui est éboulement, faut pas non plus... Pas déconner hein. Allez, je pense qu'on peut le mettre KO. Allez, non, ça enlève si peu que ça, mais la glace contre l'eau ça fait rien, c'est dommage. Bon, allez, laser glace. Ouais, bon, on a perdu le combat. J'ai mal joué le truc. On va faire avec une Bekika. Ouais, mais j'ai un plan pour la prochaine fois. On va le faire. Là j'accélère parce que bon, j'ai fait n'importe quoi, hein. c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Mais non, j'ai mal joué, j'ai très mal joué. Ah, je suis pas un stratège ou ce que vous voulez, non, je suis pas tout ça, moi. Mais on va retenter, parce que du coup ça m'énerve, parce que c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi. Et puis on va... Oh, les potions, ça sert à rien les potions, pas besoin des potions. Et alors, du coup... On va retenter, on va se rendre jusqu'au champion. Là, c'est un peu plus rapide, je trouve, pour quand on passe par ici. Parce que du coup, il y a juste à aller tout droit là. Et... Hein? Ah, il est clos, notre œuf. Et dis donc, c'était un œuf de quoi, du coup? C'était un œuf de... Ah, mais c'est un Togepi. Bah oui, c'est vrai qu'on nous avait dit qu'Ondine nous l'avait donné, mais je pensais pas que ça aurait été, du coup, vraiment un œuf de Togepi. Bon, je pense pas le garder, hein. Parce que bon, Togepi, voilà. Mais je pense pas le garder. Allez... Voilà, on a compris. Mince. Oh, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Je voulais mettre... Non, c'est pas grave. Non, bah non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Allez, danse fleur. Voilà. Normalement, c'est le mec... Oh, non. Mais pourquoi c'est le mec PKO, là? C'est embêtant, ça. Ouais, du coup...
Ah, c'est un peu embêtant. C'était pas prévu, je comprends pas en fait. Pourquoi Ah, mais du coup, je lui fais que ça comme dégâts. T'es sérieux? Putain, ça nous fait. Ça nous... Ah, je l'ai fait 3 fois de suite. Allez, mets le KO. Oh non, on est mal, ça commence mal déjà. Oh là là. On est mal, bon. Alors, on va tenter le danse-fleur. Hein. Oui. C'est bon, j'aurais pu faire Giga Sensu, mais bon. Je me suis dit, au moins, ça nous lance pour le prochain. Tant pis, non, on va mettre genre Noir Fang. Vas-y, sacrifice. Bon, on va essayer de l'affaiblir aussi, bien sûr, mais on va faire un petit sacrifice quand même. Hein. Tiens, protection pour après, ça peut bien servir, je pense, contre. Avec Léviator. Ah non, bon, c'est pas grave. Et choc mental. Ah, je suis dégelé, très bien. Ok, j'enlève vraiment pas grand chose. Oh, purée. Et pourquoi on a été tué juste avant? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et, non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Hein. En fait, je voulais récupérer ma vie avec Giga Sensu, mais du coup, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Alors là, mon plan contre Léviator, c'est de mettre Togepi. Comme ça, c'est lui qui prend l'intimidation, la baisse d'attaque. Et quand il sera mis KO... Est-ce que j'ai Métronome, au moins? Quand il sera mis KO, et ben... le Togepi. Hein. Et ben voilà, Nidoqueen, il va pas subir la baisse d'attaque. Et du coup, avec Point Éclair... Ah, il attaque en premier! Je pensais que j'attaquais en premier! Ah bah, ça va. Ça va. Heureusement qu'il y a la protection. Et là, normalement... Ah ouais, mais lui, il a Danse Pluie aussi. Protection prend fin, ouais, forcément. Ouais, du coup, je sais pas... Ah ouais, mais il y a plus... Non, il y a toujours la Danse Pluie ou pas? Ah, il y a toujours la Danse Pluie, du coup. Est-ce que ça booste sa vitesse aussi? Je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, ok, Séisme. Et là... On va mettre Floriza. Et on va partir sur du Danse Fleur. Ah, il m'a saoulé. On va changer parce qu'on a vu que ça pouvait nous mettre KO. On va mettre Gros Ray. Oh, bien. Faire si je place une petite plénitude. Ah, cascade. Ah, ça sert à rien. Ok, ça servait vraiment à rien. C'est pas grave. Ouais, mais il va me tuer. Oui, voilà, il me tue. Putain, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Calme-toi. Calme-toi, Jonathan. Danse-fleur. Ah, il est malin, mais il est très malin. Mais je peux pas me permettre de la recevoir, cette attaque. On a vu que ça nous tuait, mais ça nous défonçait. Voilà, tu me fais rebond. Et voilà, ça change rien, mon problème. Il va tout le temps. Il va tout le temps faire rebond. Oh là là, pourquoi il me pose autant de soucis, lui? Tant pis, Danse-fleur, ouais, mais... On va essayer de résister avec ça. Rebond. Ok, non, on est KO. Mais c'est terrible, hein. Pourtant, j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que je peux réussir, mais... Je comprends pas pourquoi je réussis pas, c'est terrible. Ça me perturbe. En plus, on lui donne tout notre argent. Hein, c'est bon, c'est fini de donner notre argent. Là, on va gagner, on va se bouger un peu les fesses. Non, on peut pas passer par là. Ouais, en fait, c'est pareil. Hein. Je sais pas s'il y a un chemin plus court ou plus loin. Et on va passer par là, c'est très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va donner la Bekika. J'ai un plan. Vous allez voir. Donner. Ah ouais, mais du coup, le grain miracle, c'est peut-être ce qui permettait de mettre KO aussi. Non, on va laisser le grain miracle. Ouais, non, non, on va laisser Grand Miracle. En fait, faut pas qu'on laisse Wailord faire son Danse Pluie. Ça, ça nous a pas mal embêté aussi. Faut pas qu'on laisse faire son Danse Pluie. Ah, et puis aussi, on a... Avec Lagron, du coup, on est... Mince. Putain. Mais quel idiot. Mais je suis débile. Oh là là. Oh, je suis débile. Désolé. C'était pas du tout ce que j'avais prévu, putain. Pardon. Ah, ça fait tout foirer un peu, là. Mais au pire, on gagne du temps. On attend que il... Là, il va... On va faire Giga Sensu encore. Bon, comme ça, il y a des tours qui passent et la Danse Pluie, elle ne sera peut-être plus pour Floriza... Pour Léviator. C'est ce qu'il faut, surtout, qu'elle ne soit plus pour Léviator. La pluie continue de tomber, ok. Donc là, tu utilises Terrestre. Bon, nous, on va partir sur du Danse Fleur, maintenant. Et... Et il résiste, mais c'est un fou lui. C'est vraiment un fou. Et puis il continue de tomber. C'est incroyable. Hein. Ah bah là on fait Danse Fleur, ok. Très bien. Bon.
2663. On va laisser Lagron. On va. Ah, il en est confus du coup. On va partir sur du giga sensu, s'il te plaît. Non, dommage. Danse plus. Ah non, purée. Du coup, ça fait tout foirer là. Allez, récupère notre vie. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah, mais du coup, mais ça leur renforce leur défense, mais un truc de fou en fait. C'est incroyable. Du coup, ouais, voilà, on refait giga sensu. Ça ne met pas KO, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu chiant quand même, mais. Vas-y, tu te soignes, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça fait passer les tours, et comme ça, la pluie, il sera peut-être plus après. Voilà, il y a encore la pluie là. Ok, elle continue de tomber. Il y a un tour de plus là où il y aura. Enfin, la pluie va peut-être passer. Je sais pas. Ça, c'est compliqué, dis donc. Là, du coup, on met Togepi. Ça fait encore passer un tour de plus. Ça fait encore passer. Du coup, ouais, il prend l'intimidation. Ah, ça, c'est passé au moins. La pluie est passée. Il faut pas qu'il refasse. Faut pas qu'il fasse. Comment ? Faut pas qu'il fasse danse pluie, lui. Cascade, du coup. Ah, mais pourquoi on a résisté tout à l'heure ? Ah, je sais ce que j'aurais dû faire. Putain, je suis bête. Enfin, on va partir sur protection. Allez. Non. Mon ami. Tu sais, c'est pas ce qu'il faut faire. Faut qu'on fasse Vampigraine, mais. Oh, bien. Voilà, déjà ça. Voilà. Ensuite, on va changer. On va laisser Florizarre, faut qu'on le garde. Parce que je sais pas trop ce qui nous attend. Voilà, en plus, lui, il fait ça. On va essayer de lui baisser son attaque avec Onde Boréale. Ça peut baisser l'attaque. Donc on va tenter. Non, bon, ça fait rien, tant pis. Bon, on va partir plutôt sur du laser glace. Putain, désolé, j'ai mal au poignet. Putain, c'est terrible. J'ai super mal au poignet. C'est un peu que la façon dont je suis calé aussi. Je suis pas très bien calé. Voilà, mais là, il a sa baisse citrus. Je l'avais oublié, celle-là. Je l'avais totalement oublié. Bon, allez, on va soigner totalement notre. Ah, mais il lui reste ça. On va quand même le soigner totalement. C'est jamais. Voilà, tu nous mets KO, hein, c'est pas grave. Gros ray. Du coup, voilà, on fait ça. Et là, on va faire psycho. On va espérer qu'il résiste à cascade. Ça serait vraiment cool. Ah, oui, il résiste là, psycho. Je pense qu'il devrait être KO quand même. Non, mais. Oh, on revit clairement Pigraine. Mais il est méga résistant. D'un côté, j'ai 5 niveaux de moins. C'est vrai que c'est un peu normal aussi. 1123, très bien. Niveau 49 quand même. Et lui, niveau 45, très bien. Bon, c'est pas fini. Hein. On n'oublie pas que c'est pas fini. Et il manque Hipporoi. Oh, il est relou là avec Hipporoi. Alors, on va mettre Florizarre. Et on va déjà mettre une Vampigraine. Ah, il fait laser glace lui. Mais ça, il est pas de type glace donc. Mon dieu, coup critique. Insupportable. Insupportable. Allez, honte folie, on tente. Ouais, mais. Mais c'est incroyable. Je peux rien faire ou quoi? C'est terrible. C'est vraiment terrible. Bon. On y retourne, hein, on va. Mais je comprends pas que je galère autant sur cette arène. Enfin. Je sais pas. J'arrive pas à expliquer pourquoi je galère autant. Je sais pas. Mais du coup, juste, il n'y a pas un objet que je peux donner. Je vais chercher quelque chose. Ouh, attendez, le bandeau. Le bandeau, est-ce que je peux pas faire un truc intéressant? Est-ce que je peux pas faire quelque chose d'intéressant avec le bandeau? Toi, je vais te changer ton objet pour l'instant. Voilà, on va partir comme ça. J'ai un plan dans ma tête très précis, vous en faites pas là cette fois. Cette fois, c'est la bonne. Avec, bon, avec des pertes, il y aura normalement, mais bon, c'est la vie, hein, je suis désolé. Alors, toi, danse-fleur, normalement, ça devrait te mettre KO. Enfin, tout à l'heure, ça t'a mis KO. Voilà, très bien. Donc, Lagron, ce sera pareil, normalement. Très bien. Ah non, c'est pas lui que j'aurais dû le donner. Je sais à qui j'aurais dû le donner, j'aurais dû le donner à Noirfang, parce que, en fait... Là, je vais faire protection. Et le problème, c'est que s'il meurt, je pourrais pas faire protection. Éboulement, il rate. Parfait. Voilà, très bien.
Du coup, bon, faudrait qu'ils nous mettent KO maintenant. Ah ouais, mais du coup, il faut qu'elle y soit encore dans 2 minutes, la protection. Allez, on tente, on prend le risque. On prend le risque de mettre Nidoqueen tout de suite. Allez, prends le dégât. Oui, super. Et là, on part sur du point éclair. Elle est cascade, normalement, on résiste. Ouais, très bien. Et point éclair, je pense que ça le tue. Oui! Ok, très bien. Bon, peut-être qu'on peut le faire sans perte même. Milobélus. Ok. Allez, là, avec lui, on va partir sur du danse-fleur aussi. Normalement. Ah, ça ne met pas KO, c'est pas grave. Ah, elle danse plus maintenant en plus. Du coup, on refait danse-fleur. Voilà, déjà, il sera KO, c'est déjà une bonne chose. Ah non! Il n'est pas KO. Bah quand même, enfin tu exagères je trouve. Du coup lui faut le laisser. Il faut qu'il mette il va mettre une petite vampigraine je pense. Ça serait l'idéal, ouais, parce qu'avec ses soins il va nous embêter. Du coup il faut qu'on lui mette vampigraine. Et ce danse-pluie, j'ai jamais remarqué, mais c'est vraiment abusé en fait. C'est vraiment abusé ce que ça renforce comme défense, j'ai l'impression. Voilà, on va pas utiliser des danse-fleurs, ça serait un peu du gâchis. Puisqu'on bon, on va pas le mettre KO, ce sera un petit peu du gâchis. Pente, voilà, très bien. La pluie s'est arrêtée. On va faire danse-fleur maintenant. Ok, très bien. Hydrocanon. Et là, avec la vampigraine, est-ce que ce sera bon? Oui, parfait. Très bien. Ok, Hyporoi, on va changer. Et on va partir sur Gros Ray. Oh, si on réussit à le faire sans perdre. Ce sera pas mal. Allez, onde folie. Ah, rayon signal, mince. Non, ça va. Oh non! Oh non, non, non. Dommage. Dommage, dommage. Rayon signal. Ouais, je pensais pas qu'il aurait rayon signal. Oh! Oh, bien. Je sais pas pourquoi il a résisté, par contre. Je trouve ça assez étonnant, mais écoute, tant mieux. Psycho, on espère qu'il est confus. Non, c'est pas grave. Du coup, là, on va mettre direct Florizarre. Et on va mettre Vampigraine. Allez. Laser glace, aïe aïe aïe, c'est pas possible. Et là, nous, on met notre vampigraine. Attends, il veut pas se prendre de dégâts de la confusion, hein, c'est incroyable. Nous, on va faire giga sensu. Non, mais tu es sérieux. Mais tu es purée, tu es vraiment sérieux, Nick. Ah, là, ça m'énerve. Ah, c'est terrible, là, je suis. Ça me saoule. Ah, quand ça fait ça, il est jamais confus, il me fait des coups critiques, ça, c'est manque de respect. Manque de respect total. Je sais pas, vol. Et bien sûr, il est plus confus. Oh là là, mais c'est vraiment moqué de moi là, sur ce coup. Mais vraiment, c'est terrible. Je me suis fait avoir. Bon. On va tenter les glaciations. Ok, Draco souffle. Allez. Mais je suis sûr que t'es affecté là. Arrête de me dire n'importe quoi. Glaciation. Allez, je suis paralysé. Ça m'a saoulé. Très bien. Du coup, on va partir sur super potion. Alors, si je perds, ça avait super bien commencé. Il faut pas que je perde. Ce serait tellement dommage. Et là, laser glace. Faut qu'on réussisse à faire ce laser glace. Non, comme par hasard. Comme par hasard. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais comme par hasard, j'ai pas réussi. Hein. Et là, il va se soigner ou pas? Purée, guérison. Guérison, ça laisse la vampigraine. Hein. Ouais, on est d'accord. Ok, bon. Laser glace, ouais, faut que j'enlève cette paralysie, mais bon, si c'est pour me refaire paralyser 2 secondes après. Tiens, si j'avais fait laser glace, on aurait déjà gagné le combat. Allez, laser glace encore. Ok, on va se soigner. On va pas prendre de risque. Faut pas qu'il fasse de coups critiques, bien sûr. Draco souffle. Ok. Ok, et laser glace, tu réussis cette fois, s'il te plaît. Voilà, bon. Non. Pourquoi ça l'a... Mais pourquoi ça aurait dû le mettre KO, non? Oh là là. Je vais jamais y arriver. Et je me soigne. Et peut-être qu'il va pas utiliser de guérison. Eh bah si, il en utilise une. Oh là 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 là. C'est pas possible. J'ai quoi en bas à droite comme attaque? Repos. Repos. Bon, on va continuer de partir sur du... Non, mais... Pourquoi est-ce que tu fais de plus en plus de dégâts? C'est pas possible. Je... Non, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'il faut qu'on garde lui. On est obligé. Enfin, Nidoqueen n'y survivra jamais. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Ah, est-ce qu'il a plus de Draco Souffle? Ça, c'est possible. Allez, laser glace. Aïe, aïe, aïe.
3 PV, mon dieu. Oh, bien, coup critique. Oh, purée, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Cette attaque, ouais, cette attaque, ouais. Bon, et ben dis donc, je chavire, tu as coulé mon navire, tu mérites une récompense. Prends ce badge de vague. Ok, très bien. Ouh là là, le badge de vague te permettra de naviguer sereinement en mer. Et je te laisse un petit cadeau pour ton embarquement, Moussaillon. C'est assez vibre à quoi, ça? Une attaque haut pouvant rendre confus. De quoi faire chavirer un paquebot. Ok, très bien. Bon, on va s'arrêter pour ici pour aujourd'hui, parce que du coup, ça fait un peu long, je crois. On va aller se soigner pendant que je finis de faire mes au revoir. Bon, en tout cas, on a vachement galéré. Je pensais pas qu'on galérerait autant. Ça prouve qu'il faut que je m'entraîne un petit peu. Faut que je revoie mes vidéos, mais... Il y avait un bâtiment, il me semble qu'il y avait plein de dresseurs. Et je sais plus où c'était, ou quand, mais on avait fait un combat comme ça, je me rappelle. Et enfin bon, faudrait que j'aille m'entraîner là-bas, je pense que ça peut être pas mal. J'irai voir où c'est. Enfin bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On aura fait le jardin bulle bizarre aussi, enfin. Puis on aura fait cette arène qui est un peu compliquée, mais vraiment, les arènes sont pas simples. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt tout le monde. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. Et voilà, et cette fois, vraiment, à bientôt tout le monde. Bye.